Non, j'ai pas vu le nombre de temps de vol, non. C'était pas noté. Et bonsoir à tous. Désolé, juste, c'est pour que je vous récupère sur le chat, sur le retour du live, parce que je ne l'avais pas. Voilà, ça buguait, encore comme d'habitude, hein, le site Twitch. On va juste attendre, en attendant, Ludo, TBZ, qui est là, on a 318, on le voit. Il est en train de contourner Orly. Ouais. Nous, on va démarrer notre avion gentiment. 11 000 pieds. Et on a la scène d'Orly, hein. Ok, 11 000 pieds. On va se mettre en nav en haut. Ok. Et on va se charger de... Et ça rame un peu. On va se charger de ça. Les valises. Hop. Voilà. Ça rame un tout petit peu, mais bon. Là, on a de quoi. Là, ça fait remplir l'avion. Et on va juste attendre Ludo, qui fait son petit tour de l'autre côté. Alors. Je vais éviter de prendre la caméra pour aller te voir parce que ça risque peut-être de plante. Alors, Manchester. L'ILS. Ouais, t'as l'autre bout. L'ILS est enregistré. Qu'est-ce que ça rame? Oh putain! Ah bah de nuit oui. Puis là on a un temps qui est plutôt clean.
On va attendre un tout petit peu. On va attendre un tout petit peu. Alors ça, je ne sais pas du tout de quoi tu me parles. Ah oui, maintenant tu as des pubs. Qu'est-ce que ça rame? Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà détacher toutes les rampes à l'avion. Je sais même pas où tu le fais, ça. J'arrive pas à... Ferme-moi cette porte! J'ai une porte qui veut pas se fermer. Tout s'enlève sauf cette porte. Alors. Ah oui, d'accord, mais j'ai un bug. Et elle me l'annonce ouverte alors qu'elle est fermée. Ok, j'ai débranché tout ce qu'il fallait. On va juste attendre Ludo. On attend sagement avec l'avion. Ouais, t'es en face. Le 900, c'est le plus gros des A330, non? Ou il y a un 1000? Ok. Bon, en attendant, moi je vais aller boire un coup. J'arrive.
Ok, c'est bon. Alors. Vas-y. Moi, c'est déjà fait. Salut Léonidas, bien et toi, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne. J'attends juste un ami longue date avec qui on volait beaucoup il y a des mois de ça. Il avait revendu sa Xbox et il est revenu dessus. Donc là, on va refaire un petit vol ensemble, on part de Orly direction Manchester. Ça va rappeler le bon vieux temps. Donc là, j'attends juste. Il a fini son vol, il a atterri à Orly. Je suis déjà sur le tarmac, donc bah on va l'attendre. Ludo, TBZ, c'est Ludo. Bah moi j'ai mis 50% de kérosène, 50. Ouais, normalement c'est vrai que ça consomme pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre? 30? Ouais, on va mettre 35. J'ai toujours peur de tomber en rade. Tu m'as dit que tu jouais à AMH. C'est quoi AMH? Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave si t'es pas à côté. Monster Hunter, non, non, j'y joue pas du tout à ce jeu. J'avais acheté l'un des derniers, le dernier, je crois, j'avais détesté. Donc non, j'y joue pas du tout. Non, non, là sur ma chaîne, il y aura bah, forcément du Flight, le dernier Motorsport Forza, il peut y en avoir, The Crew Motorfest, Fallout 64, avec une amie, du Path of Titan, bien évidemment. MW3 la semaine prochaine. Mais Monster Hunter, non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas sur la chaîne. Quarante-quatre minutes de vol. C'est nickel alors. Ouais. Ok, alors attends. On va mettre ça. Les feux. Balise. Auto. J'ai été l'un de tes collaborateurs, Léonidas. T'es qui? Alors si je me souviens pas, je suis désolé, j'ai tellement de pseudos, tellement de personnes. Ah, le pote à Nico! Mais oui! Nico de Gon, qui a complètement disparu après s'être fait ban d'Oranea. Il a disparu. Euh, 33 000, moi j'ai mis pour l'avion. Ouais, il avait bien le seum.
Après, bon, bah voilà. Hein. On l'avait prévenu. Hein. Il est à fond sur Elden là. J'ai vu qu'il s'était remis au live. J'étais passé des fois vite fait. Après, j'ai très peu le temps d'aller sur les lives des autres. Alors, où est-ce que t'es, TBZ? Ah, sur la carte du monde. Sors de la carte et reviens, des fois ça permet de charger. Tu aurais de petits conseils pour mes débuts en live? Bah, le meilleur conseil, c'est joue au jeu que tu kiffes, quoi. Reste toi-même, joue les games que tu fais en off, tu fais les mêmes en live. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, voilà, j'ai de la commu qui arrive et tout, j'essaie de jouer avec eux. Bah, Fallout, c'est une amie là qui me l'a fait découvrir et que j'aime beaucoup, donc je joue avec elle. Conan, j'avais rencontré une personne qui m'a fait découvrir. Bon, Conan, je trouve que c'est une vraie saloperie comme jeu, par la communauté, hein, pas par le jeu lui-même. La communauté rend le jeu vraiment dégueulasse. Donc, du coup, bah, j'ai complètement arrêté. Je suis pas le seul de l'avoir arrêté, hein. Mon entourage l'a complètement stoppé aussi. Mais rester soi-même, ne pas s'éparpiller, et puis bah voilà quoi. À partir du moment où tu joues à des jeux qui te font kiffer, et puis bah se donner une ligne de conduite, un programme un peu à suivre. Après que tu aies un micro ou pas, ouais, le micro ça joue aussi, mais moi au début j'ai longtemps fait de live sans micro. J'attends, je regarde, je te vois pas. Comment ça se fait que je te vois pas? Ouais, moi ça va beaucoup mieux, ouais. Ouais. Changements dans ma vie qui font que, ouais. Il y a du mieux. Attends, je vais demander un. La thèse. Pourquoi je te vois pas, moi? Non. Ah oui, je vois les joueurs. Ouais. Bah moi j'ai pas changé de serveur. Donc et je te voyais juste avant. Je te voyais juste avant. Et Jean-Gab, je le vois pas. Hein. Moi j'ai toujours les mêmes joueurs. Skydream. Ça marche, merci d'être passé, Leonidas. À une prochaine. Moi, j'ai toujours les mêmes gens. Putain, qu'est-ce que ça peut ramer dès que tu demandes quelque chose? Je fais le repoussage là. Ah, ça y est, je te vois. Putain, il suffit que je sois en repoussage pour te voir. Fin de repoussage. Fin de parc.
Moteur 2. Putain, mais quelle bande de bâtards. Ils me mettent pas la lumière dans le cockpit. Putain, ouais, mais eux, ils allument pas, tu vois. Moteur 2. Et ça, on l'allume. Ça, on l'allume. Roulage. Virage. Ah, voilà. Flaps. Et moi, c'est un départ vers ma gauche. Ok, on déteint. On n'a pas la même du coup. Un parc off. Allez, on va en roulage. J'ai vu une vidéo d'un 777 Air France qui décolle. Je sais pas si c'était hier, je crois que oui, ce qui avait marqué Tempête Ciara, Ciaran. Waouh, au moment du décollage, au moment où les roues décollent, il a une aile droite qui va vers le sol. Waouh, il ballotte de gauche à droite pendant le décollage. Oh. J'aurais pas eu la chance d'atterrir lors de la tempête pendant le simu. J'ai voulu, hein, mais j'ai jamais tenu jusqu'au bout du vol. Je partais de Francfort et j'allais jusqu'à Brest. Qu'est-ce que ça rame? Hop, je laisse passer. T'as le tracé au moins au sol.
Moi, j'arrive à l'entrée de ma piste. J'arrive là dans quelques secondes. Je suis en vue cockpit, je t'avoue que là, pour l'instant, je ne vois pas. Non, t'es loin. Ok. Vingt-huit, 79. Ouais, bah ouais. Phare de roulage, décollage. Décollage, fardel, ça. Virage de piste. Ok, on l'allume. On s'aligne. Ok. Je suis aligné. Hop. Ouais, t'es à l'opposé normalement. Il y a plein de gens qui roulent. Je pense que t'es là où il y a tous les gens qui roulent. Je vois Atomique au loin. Peut-être là-bas, là-dedans. Parce que moi, je suis tout seul de mon côté. Hein. Allez, c'est parti. On décolle. V1. Allez. Qu'est-ce que ça rame? Range le train.
Mais ouais, mais ça fait que de planter et ça me fait disparaître des joueurs. En fait, t'as disparu depuis tout à l'heure. Ouais, t'as disparu. C'est pour ça que je te vois pas depuis tout à l'heure quand tu m'as dit ouais, je suis à ta gauche. Mais non, je te voyais pas. T'as disparu. On va faire du virage sur piste. Pas besoin. Fait disparaître les gens, peut-être parce que la zone parisienne aussi, c'est une zone qui merde beaucoup, hein, donc non, toujours pas, non. Portée du ND, je vais la modifier. Ok, j'ai coupé la route parce que sinon j'ai une route de merde. Ouais, j'ai toujours Skydream, j'ai toujours Nathan Plou, qui sont visibles quoi. Ouais, mais pff, laisse tomber, c'est ça a tellement ramé que ça a dû faire planter en fait. Je pense. J'ai éteint mes feux. 21 000, je vais monter là. Téma, il y a un mec, son pseudo c'est Zgeg, Zgeg de poney. Ah, génial. Génial.
Je te vois toujours pas. Alors, je suis à 14 000. J'ai même pas la lumière de la queue de l'avion qui est allumée. Normalement, on voit le logo, non? Tout le temps. Nav. Ouais. Alors, oui, mais alors, c'est où? Je vois pas où c'est. La lumière, c'est là. La PU, je le vois, ouais. Ouais. Ah, c'est activé, pourtant. Mais j'ai pas de lumière. Normalement, la queue, elle est toujours allumée de l'avion. On voit toujours le logo. Et là, il est totalement dans le noir. Non. Oui. Non, ouais, 2 jours, oui. Ça pose pas de problème. Vas-y. Ben là, ça suit. Ça suit. Allez, à toutes. Nous, pendant ce temps-là, on continue notre vol. Façon, on est en montée, donc on risque pas grand-chose. Allez, on grimpe.
Sir Undo, 6 Decimal Cotter, Sept 5 Skywalker, Unniner Hewitt, Niner Heavy. Paris Center Skywalker, Unniner Hewitt, Niner Heavy, is it Nevo de Evolve, do Sept 0 climbing Nevo de Evolve, Arbor 00. Skywalker, Unniner Hewitt, Niner Heavy, Paris Center, continue NO, KSAX as planned. Alors, putain, TBZ a vraiment disparu. Alors, putain, là, tout le monde sauf TBZ. Incroyable. Skywalker, a
Allez, 33 000. On va rejoindre la croisière. Et il veut pas monter. Pourquoi il veut pas monter? Pourquoi tu veux pas monter? Putain, obligé de le faire en manuel, quoi. Alors par contre, ouais, je suis désolé, mais... Ouais. Ouais, putain, on voit rien avec... Ah, tu m'étonnes. On voit rien avec la météo, là. Je pense que je vais mettre 2 jours. Oh, c'est sombre. On voit même pas le sol, on voit rien. Ah ouais, il fait nuit. Et ton pseudo n'est toujours pas apparu, hein. Ouais. Ah ouais, non, mais il fait nuit noire. Ah ouais, d'accord, j'arrive en Angleterre là. Normal que je vois pas le sol. Je suis au-dessus de la Manche. Ouais, je suis au-dessus de la Manche. Pour l'instant, ouais. Il a refusé de monter à partir de 30 000 jusqu'à 33, donc je l'ai fait manuellement. Je vais demander de monter. Donc, ouais. Ah ouais? T'as le mien. Oh bah rien de spécial. La molette. C'est pas ça là? Non, ça là? Non. Ah, le cap. Ouais. Ok. Cap 32.
D'accord. Ouais, c'est ça a l'air d'être casse-gueule quand même, hein. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais clair. Ah bah oui. Alors je passe au-dessus de Isro là, normalement. Bah non, 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 je suis au-dessus d'Isro là. Ouais, j'ai vu, ouais. Est-ce que c'est utilisable sur tous les avions? Si quel type d'avion c'est utile? Ouais, eh ben oui. Alors on les utilise plus quasiment. Vas-y. Ouais, bah ouais.
Ah bah oui. Ah bon? Comment ça, je suis au-dessus? Moi, l'avion qui est en dessous de moi, c'est pas toi, hein. 5000 tonnes. Trente-trois normalement, 33 000. Putain, le jeu t'a complètement fait sauter. Ah ouais, je suis au-dessus. Putain, bah ouais, mais moi le jeu il t'a fait sauter, donc casse les couilles. Je sais pas pourquoi. Et 5000 tons, ouais. Putain, alors tout le monde est là sauf toi en fait. Alors genre bon bah. Bah ouais. Moi après je vais changer de jeu. Je sais pas encore sur quoi je vais aller. Patoff, Fallout, je sais pas. À voir. Bon. Allez, je descends, 24 000. Ils m'ont demandé de descendre.
Ah ouais? Ah bah, oh bah ouais, non, mais moi pareil, hein, je fais que de jongler. Ouais, il se pose bien, ouais. Ah, t'es devant. Ouais, putain. Je vois tes lumières. 14 000 maintenant. TNT? Oui, il est devant, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Ok. NCT? J'ai même plus moi. Vingt-trois R. Ok. Descends avec la flèche du haut. Là.
CF-23R, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Mais moi j'ai pas la monnaie, j'ai pas la souris. Ouais. Altimètre 28-47. Ah oui, d'accord. Je dois descendre à 14 000 et cet abruti, il me descend à 12 000. Putain, con. Ouais, mais là c'est 14 000, c'est pas 12 000. Six mille pieds. Allez, on descend, on descend. Non mais c'est pas vrai, t'es encore disparu. Oh, il est relou le jeu, hein. Un. Je suis au point TNT là. Attends, mais il m'a fait disparaître tout mon plan de vol. Et là, je fais quoi là du coup? Et cap à droite, c'est quoi? Et là, il tourne ou pas là? Là, il tourne. Je le sens. Ouah, ça va être la merde.
Et je sais pas comment on désengage ça, moi. Ah, ça y est, là il tourne. Ouais, bah là c'est le cap. Ouais, bah il y va. Et après, quinze. Ouais. Et de toute façon, il descend encore à jusqu'à 6000 là. C'est bon là, non? Je peux même encore un petit peu si tu veux, histoire que l'avion fasse une belle boucle. Bon, les gens, ils vont avoir envie de vomir. Moi, j'ai oublié de mettre mes feux. Ok. Ah oui, et puis quand tu captes l'ILS, bah, il va descendre tout seul. Ouais, donc là, c'est... Ouais. Attends, moi je regarde si je te vois déjà. Je te vois même. Tu veux... Ah ouais, de toute façon, normalement, ça devrait être activé tout le temps, ça. Ok. Et là, je descends à 6000 pieds, là, donc... Est-ce que je descends encore plus ou pas? Allez, je vais descendre 3000. Par contre, quand est-ce que je tourne, je ne sais pas. Je comprends plus rien là. Je comprends plus rien. Je sais même pas où est l'aéroport là. Je suis paumé. Quatre-vingt-dix.
Non, 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 c'est pas bon du tout là. Ouais. Ah, il est là. Ah, je vais le retourner un tout petit peu. Ouais. Ouais, j'entends. Waouh, le sol. Pas simple, hein. Faut que je fasse un gros virage là. Je mets premier flaps. Normalement, ça le fait. Ouais, non, il faut que je tourne encore. Là, je suis léger, tu vois, regarde, là, je vais un peu tout droit. Je vais tout droit et à un moment, je rejoins parce que la ligne, elle est là, l'aéroport, il est ici au bout, là. Mais à partir du lock, après, il s'aligne, j'ai plus besoin de ça. Là, je suis très bas là. 3000. Putain, par contre, t'as encore disparu quoi. Ok, on va le faire tourner tout doucement. Je le fais tourner au fur et à mesure. Ouais. Alors, c'est pas simple. On va descendre à 180. Les deuxièmes cran de flaps. Allez, on tourne. Ah non, 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 je m'engage plus.
UN Hewitt Decimal 5 Hewitt for Skywalker and Niner Hewitt Niner Heavy. Manchester approached Skywalker and Niner Hewitt Niner Heavy is passing Trois Mill Pipes, climbing Trois Mill Sink Sense Pipes. Il y a Locke là. ILS en violet là. Ok. Ouais, même si que ça n'a pas bougé là au milieu là. Ouais. D'accord, ok. Ah, tu me dis pour moi et tu l'as pas fait. Alors, manuellement. Ok, moi j'ai sorti le train, j'ai mis tous les flaps et j'ai même oublié quelque chose au décollage. Les aérofreins pas armés, par contre là, important, je les arme. La piste, je la vois même pas. Autobrake médium. Ok, là je m'aligne. Par contre, il a toujours pas capté la descente, mais j'ai un peu le temps. Je me suis calé à 160 nœuds. 2900 pieds. Je suis à 3000 pieds, ça le fait là. Ah, si elle veut, allez. Oh, GG. Mais par contre, ouais. On s'est pas vu du vol quoi. Il y a un brouillard. Enfin, un nuage du coup. En tout cas, je suis aligné bien bien. Ouais, bah moi déjà là, je vois la pluie. Hein. Hop. 1600 pieds. Elle veut pas descendre. Hein. Si, ça y est. Ah, mais il a loupé, il a coché la descente. Ouais. Ben, il descend. Il descend. Bon, il faudra que je me réhabitue. Là, je t'avoue tout seul, je vais pas. Après, c'est le même système pour que ça soit à la 320, 18, 19, 21. Donc, ça, c'est cool. C'est exactement pareil. Donc, ouais. Ça y est, je vois la piste. Je vois la piste. Ce qui est bien avec le 330, je trouve, c'est qu'il a une montée et une descente qui est douce.
Alors que le 320, je l'ai réessayé l'autre fois, il a une montée qui est vachement brutale, mais le 330 monte doucement. Et tu vois, là, il descend et il est bien. À l'approche, elle est bien. 28-47. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à le poser propre. Et ça serait bien. J'enlève quoi? Ah oui. Je sais pas, pour l'instant je laisse. Je le laisse pour l'instant en auto. Je crois que je vais reprendre le manuel tardivement. Allez, manuel. Putain, t'as complètement disparu, c'est bien relou. Je verrai si mes trucs c'est annulé ce soir, peut-être encore un vol avec toi, je te promets rien. Si tu me vois pop. Allez, allez mon gros. Bon, du coup, moi je prendrai pas l'autre, hein, l'Aerosoft. Hein. LVFR a sorti un avion facile à piloter, donc. Bien aligné. J'ai peut-être freiné un petit peu tardivement. Ça va. Ça va, ça va. Je l'ai fait de la vue intérieure. J'ai eu peut-être un petit effet de flottaison. J'évite de mettre, tu sais, des coups de manche vers le sol. Mais du coup, il y a un effet de flottaison. Mais ça va, ça va. Si j'étais arrivé un poil moins vite, peut-être à la rigueur encore mieux, mais bon. Phare d'atterrissage, on éteint. Phare d'aile, on éteint. Roulage, on peut allumer. Virage sur piste, on allume. J'éteins l'ILS. Je remonte mes aérofreins. Et puis, bah, let's go. Allez, on va aller déposer les passagers. Alors.
suis parti avec 35%, j'ai 27% de fuel. J'ai rien consommé. Hop, entre le Virgin et le Emirates. Le 340, on aura Air France avec. Vu qu'ils ont posté des photos en même temps du 340 quand ils ont annoncé. Et il y a une photo, on le voit en Air France. Mais de toute façon, LVFR, je crois qu'ils ont tendance à mettre des fois des livrées en plus dans des mises à jour. Je pense que le 330, on en aura d'autres à plus tard. Parce que même américaine, hein, à part Delta et American Airlines. Bah j'ai rien d'autre. Ouais, mais elle s'est éclairée quand j'ai sorti le train. Ok, frein de parc. Moteur coupé. Et ben voilà. On a mis temps de vol 1h05 minutes. Ben voilà. Sur ce, moi, c'était un plaisir de voler avec toi, TBZ, à nouveau. Vous, j'espère que le vol vous aura plu. La rediff sera sauvegardée sur ma chaîne YouTube, parce que c'était un bon vol. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, ou alors à tout à l'heure. Sur ce, ciao tout le monde. Ciao TBZ. Ciao. On verra. Allez, ciao.